Ouais, bah du coup, salut à tous les amis, ici Foxhider, voilà. Oula, attention, attention, attention. Ah, il faut bien le manœuvrer, hein. Ah, c'est pas évident à manœuvrer, hein. Mais putain, celui qui a codé ça, il est vraiment balèze, le mec, hein. Putain! Bon les gars, si vous voyez une Porsche mauve et noire volante, c'est que c'est moi, ok? Voilà. Bon bah du coup, Apocalypse, j'ai réussi à installer le mode que tu m'as dit. Par contre, le problème c'est que ce mode-là n'est pas sur Nexus. Et je sais pourquoi d'ailleurs. Parce que le mec, il a voulu faire comme moi. Mais après, c'est pour installer le mode facilement. T'as juste qu'à glisser les fichiers. Et trouver la bonne touche du clavier, c'est bon. Pour info, la touche, c'est le E. Voilà, je vous le dis, hein, c'est comme ça. Vous savez, voilà. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est qu'il est compatible avec la manette. Voilà, c'est un point positif. Bon, à part qu'il faut l'activer avec. Ah, c'est là pour descendre, ouais. Ah, j'ai compris. Ici, c'est pour avancer, en fait. Ouais, il faut que j'apprenne à le manœuvrer, hein. Mais en vrai, ça va. On se croirait dans Retour vers le futur. Il n'y aurait pas moyen à ce que les IA, c'est-à-dire les PNJ dans ce jeu, volent. Mais ce serait tellement ouf des PNJ qui volent, les gars. Oh là là. Après, dis-moi si c'est le bon mode ou pas. Hein. Alors, je vais appuyer sur E. Et voilà. What? Le jeu est en PLS, je te le dis. Hein. Le jeu il bug, même le son charge pas, frère. Voilà, bah du coup, je fais un live sur Twitch avec ma nouvelle voiture volante, voilà. Ah oui, d'ailleurs, je vais essayer de faire la miniature d'ailleurs. Après, je sais pas si c'est possible d'en faire une miniature. Hein. Mais j'aurais voulu qu'elle soit toute réparée, ma Porsche. C'est inacceptable, une Porsche endommagée. Hein. What? Quoi ce bordel? Mais c'est quoi ce bug? Genre j'ai descendu de ma voiture et a décidé de se mettre en mode fly. À moins qu'il faudrait faire plusieurs combinaisons de la touche de manette pour l'activer. Bon c'est pas grave, vous appuyez sur E et c'est bon. En plus il s'est cassé le cul à configurer les contrôles justement pour la manette. Et ça c'est ouf. Et même à te dire dans le jeu comment voler quoi, c'est le mode. C'est l'un des meilleurs modes, quoi. Sérieusement, les gars. Je sais qu'il y a le free fly, mais vraiment, ça, c'est plus réaliste. Bon, tu vas exploser quand, ça, le coup, hein. Voilà. Allez, je t'ai pensé 100 balles. Bah, en vrai, 100 balles pour une réparation, c'est pas cher, quand même. Alors, après, si c'est une rayure, c'est un peu différent, mais... Qu'elle a fumé ou pas? Ah, elle est là, elle est là, elle est là. Non, je vous le dis, il manque plus que la DeLorean et c'est bon. Attends, est-ce qu'on peut prendre une photo? Oh, fait chier, non! Attends, attends, attends. No panic. Bon, j'ai fait... Écoute, bah écoutez, bon, c'est pas grave, on peut pas faire d'effets spéciaux, c'est pas grave. Ouais, c'est avec le joystick de gauche, tu peux monter comme ça, comme... C'est comme un hélicoptère, en fait. C'est ouf, ça, quand même.
Attends, il faudrait une meilleure vue que ça, les gars. Le jeu, il rame en plus. Et oui, il faut savoir que ma voiture, elle a deux moteurs. Elle a un moteur pour voler. Non, qu'est-ce que je raconte? Un réacteur, pardon, caché, et un moteur. Comme on est en 2077, bah, les réacteurs sont tout petits. Et ça, c'est beau. Bon, enfin, j'exagère. Non, ils sont pas si petits que ça. Bon. Non, je parle le moteur pour le faire propulser, pardon. Écoutez, les ceux qui savent faire des vaisseaux pourront m'en dire. Eh, ça fait penser à... Ouais, les espèces de petits effets qui permettent de redresser le vaisseau, ça fait penser à Retour vers le futur. Non, honnêtement, les gars. Honnêtement. Voilà. Je vous jure, je cherchais un mode comme ça, les gars. Je vous le dis. Je me suis dit, c'est quand ce qu'on pourra voler dans la ville? Bah, on l'a trouvé. Eh ben, putain, GG à lui. Eh ben, comme quoi, la plupart des modes sur Cyberpunk sont sur GitHub et pas sur Nexus. Hein. Bon, les meilleurs, en fait, les meilleurs. Ouais, sérieusement, on va aller où hein? Pacifica, c'est un endroit pourri. Hein. On va à la Night City, on va essayer de faire une belle miniature. Hein. Voilà. Bah, en tout cas, Apo, merci pour ton mod, d'ailleurs. Voilà. Attends, mais je suis con, il faut pas le lever comme un teubé. Il faut foncer tout droit, voilà. Voilà, tout simplement. Et je vais à plus de 300. C'est ça qui est marrant. Fais chier, il y a un phare qui est endommagé, frère. Ouais! Oh, tiens, la caméra qui bug. Faire des cascades de fou avec ça. Bah je suis désolé, je suis obligé de me recommander une autre Porsche. Bah c'est comme dans les films. Hein. Il faut plusieurs bagnoles. Hein. Qu'est-ce qu'ils veulent ceux-là? Allez tenez, creusez toutes. Moi je prends plus les armes des gens, mais par contre toi oui. Il y en a un autre. Eh, composant cyber mythique. Épique en plus! Allez! Je sais pas pourquoi c'est mis comme ça. Ah bah parfois on a trouvé l'arme absolue. Il devrait exister un mode pour réparer les bagnoles, les gars. Oh bah oui, mais je le prends tout de suite, le mode. Heureuse. Le problème de ce mode, hein, c'est que le point négatif, c'est qu'il faut en installer plusieurs. Mais l'avantage, c'est que comme c'est un GitHub, et d'ailleurs, je mettrai le GitHub dans la description, voilà. J'essaie de le reprendre une vidéo, voilà, pour ne pas me casser les couilles. Et vous pourrez le glisser directement. Voilà, c'est aussi simple que ça. T'appuies sur E, c'est bon. Là, vous levez le joystick, voilà, et puis vous appuyez sur RT, je crois. Voilà, c'est ça. Et pour freiner, c'est le A. Moi, j'aurais dit de ce côté-là. Alors, voyons voir. Attends, on va essayer de faire un screen, on sait jamais. Et puis j'aurais voulu, en fait, j'aurais voulu faire un peu comme dans Retour vers le futur, c'est-à-dire un peu descendre de ma bagnole et genre être sous le capot. Oh, ce serait beau. Ce serait beau, les gars.
c'est d'aller sur un immeuble. Il faudra j'utilise mon mode menu pour ça. Oula, il est pas modélisé. Wesh! Quoi ce bordel? Eh, hey, c'est des projets qui ont recodé votre jeu. Non mais honnêtement. Bah je sais que c'est dur de coder. Bon, ouais, ça va. Il y a des trucs qu'il faut remodéliser. Hein. What the fuck? Non mais c'est cool! C'est cool. Moi j'aurais voulu avoir le skin de la DeLorean. Il me semble qu'on peut, mais ça remplace la Caliburn. Mais ça me casse les couilles! Bon, après, je dis ça, mais c'est vrai que je devrais le tester. Hein. Parce que c'est vrai, je me dis d'un côté, on pourrait faire en mode retour vers le futur, tu vois. Genre, tu combines ça plus. Bah attends, j'ai une fucking idée, les gars. Je vais mettre sous le capot ici. Par contre, je suis obligé d'utiliser le mode menu. Non, j'aurais dû me mettre plus vers le bord. Oula, oula, j'espère que je vais pas tomber. Voilà. Bon, on va voir si c'est possible. De toute façon, j'ai fait une photo de backup. Si j'arrive pas, bah. Si la vidéo prend une demi-heure, c'est que vous savez pourquoi. Juste pour une fucking miniature. Ouais. Et oui, je vais le faire, évidemment. Alors. Ah mais c'est ici, je suis con. Bah oui, c'est évident. Alors, non, comme c'est une photo. Attends. Est-ce que ça focus bien la voiture? Ouais. Et en plus, avec la route, ça peut être pas mal, hein, les gars. Bon, c'est pas grave. Au final, grâce à ces youtubeurs, parce que j'ai regardé sur Internet, il y avait un lien GitHub, je l'ai pris, c'est bon. Voilà, je vais mettre la voiture bien droite. Puis je vais prendre V. Par contre, c'est chiant parce qu'il s'est retiré. Allez, V! Eh, hey, VV! VV. V. Allez, V! C'est quoi ce nom de merde? Si tu veux. Après, l'avantage, c'est que j'ai des poses un peu différentes. C'est ça l'avantage d'installer une dizaine, une centaine de modes, les gars. C'est pas une blague, les gars. Et un mode de plus avec Apo, grâce à lui. Eh ben merci Apo, si t'as d'autres vidéos de d'autres modes. Si j'arrive à l'installer et que je peux te faire confiance, bah ok. Après, je vous dis, les modes populaires, en vrai, ça va. Alors, voyons voir. Enfin, je veux dire dans le sens que tant qu'il n'y a pas de fichier dangereux.
toute façon, je me dis qu'il faudra le déplacer, de toute façon. Oula. Ah! Ouais, je suis où? V! Oh, oh, V, t'es où? Eh, le jeu, il pète un plomb, voilà. Ah, ça y est, elle est là! Elle est là, on l'a trouvée, elle est là. Écoute, on va d'abord choisir la pose. Eh les gars, on prend cette pose ou pas? Et oui, c'est des poses modées, les gars. Mais là, t'es pas trop mal. Celle-ci, hein. Je sais, je prends 10 000 ans à me décider. Hein. Allez, celle-ci au pire. Ah d'accord, ok. Le jeu, il pète un... Oh là, il pète un plomb. Après, l'avantage, c'est que je peux... Vas-y, il n'y a pas de problème. Tu veux que je fasse une miniature sur Cyberbug? Il n'y a pas de problème. Ah ouais! Elle est vraiment hot, les gars. Ah ouais, vas-y. Mais c'est hot, ça. Voilà. Eh ben, putain. Y'a plus qu'à rajouter les effets spéciaux et c'est bon. Moi, le jour qu'on me dit qu'on peut jouer en online dans Cyberpunk modé, moi j'ai la salle directe. Et je vais sur Discord, je fais avec Google Traduction, etc. Mais bon, après, il faudrait un budget colossal. Lol. Bon, alors, on va aller au niveau des effets. Voilà. Comme ça, on voit mieux mes cheveux. On voit mieux mon visage. Ouais. Ah, c'est comme ça, on voit mieux comme ça. Parfait. C'est comme si elle était assise sur un canapé, mais elle est assise sur sa propre porche. Eh ben putain.
Waouh. Waouh. LG, il pète un plomb, frère. What? Ah, d'accord. Ok. Ah, putain, j'ai failli crever, hein. Non, t'es sérieux? Oh, fais chier. Bon, alors, vas-y, à la prochaine et au revoir, hein.